Départ pour un grand voyage, Inch'Allah. Direction d'abord Istanbul. Salut tout le monde, c'est Naz06, Actu YTB2, et on va regarder une souris de Kamel Ancien qui part direction La Mecque Médine avec escale en Turquie. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, ben on y est. Départ pour un grand voyage, Inch'Allah. Direction d'abord Istanbul. Ensuite, après 2 heures d'escale, direction Médine, Inch'Allah. C'est parti. Bismillah. On va quand même regarder le courrier avant de partir. Alhamdoulilah, il n'y a rien. Ça doit être sûrement parce qu'ils font le pont. Inch'Allah, le pont, il se termine jamais. Tu sais, les ponts longs, là. Gastro. À chaque fois que je voyage, je pars jamais sans ma petite boîte, très importante. Et bien sûr, on passe le salam au frérot. Donc je vais vous expliquer. À chaque fois que je pars en voyage, je prends tout le temps ça, c'est trop important. Je vais tout vous mettre. Ça, très important, costus indien. Là, c'est arrivé, là, la nièce, elle a ravitaillé, là, c'est... il y en a beaucoup. Hein. Je prends le pot des 7 guérisons, très très important. Parce que quand tu pars en vacances, la gorge, le nez, tout ça, vous connaissez. Ensuite, j'ai l'huile de nigel. Ensuite, le miel de ouf. Incroyable celui-là, mais le meilleur pour moi, il est là. Il est où? Miel de Russie, incroyable. Rose, magnifique. Ensuite, miel du Yémen. Voilà. Miel de Niger. Voilà. Regardez. Vous avez le lot là. Heureusement, on part que 10 jours. Ah, oh, les femmes, c'est un problème. Heureusement. On était assis là, là. Ouais. C'est franchement l'aéroport de Roissy, comment ils l'ont refait, c'est la folie. Voilà, exactement. Un gamin, frère, un gamin, un gamin. Quoi, c'est gratuit, c'est gratuit. Bah oui. Mais non. Bah oui. Ah ouais, voici bien. Mais tu es à l'aéroport, Morali. Il a posé son petit téléphone là. Ah, je suis bien, je suis bien. Dommage, je sais pas, je te réclate. Non, nul, nul. Aïe. Ah, il est tombé. Ça va, Yonkli? Ça va? Ça va? Franchement, l'aéroport de Roissy là. T'es magique, ils ont fait un cinéma là. Hein? Ils ont fait un cinéma là, derrière toi. Franchement, bon là on est en direction de Mecca, de Médine. On a un groupe de 20 personnes. Franchement, le groupe il est magnifique. On se connaît tous, mais le groupe il est magnifique. Je t'ai dit, TF1. Là, nous sommes bien arrivés à Istanbul. C'était un bon voyage. Ah, c'était un bon voyage, hein. Donc là nous suivons le guide. Le meilleur guide. La salsa, que... la salsa, la zbounia. Donc là, nous sommes à l'aéroport d'Istanbul. Très, très bel aéroport. Nous allons trouver un endroit où faire l'aéroport.
Tiens, c'est là pour les femmes. Voilà. Franchement, ils nous ont respectés. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Aboubacar? Franchement, ils ont fait une mosquée dans l'aéroport. Wallah, c'est une mosquée de ouf. J'en ai vu des mosquées hein, dans des aéroports. Mais la mosquée qu'ils ont fait ici à Istanbul, incroyable. Wallah, un Burger King. Il n'y a que notre groupe qui a Burger King, ils font la queue. Wallah, on aime trop la bouffe, les gens de France. C'est trop. Ils sont partis en bas, la Burger King. Alors qu'ils ont éclaté le menu dans l'avion. Mais non, ça leur suffit pas. Ah là 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 là. Là, on prend le deuxième vol pour Médine. Inch'Allah, ça va nous faire arriver à 4h, 4h30 à Médine, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas les amis, je n'oublie personne dans le Doha, tout le monde. Inch'Allah. Donc voilà, c'est la... je crois qu'il en a fait plusieurs de Amra. Je sais que j'avais posté sur ActuYTB2 et sur la chaîne A06. Voilà, je zappe de chaîne. Quand j'ai un problème sur une chaîne, je vais sur l'autre chaîne. Voilà, vous pouvez vous abonner au... vous pouvez vous abonner aux deux chaînes, voilà. Donc même si je publie sur les deux... je ne publierai pas en même temps, de toute manière. Voilà, avec un décalage d'une heure au moins ou deux heures. Donc, ouais. Il y avait cette vidéo de son ancienne Omra de l'an dernier, il me semble. Ouais, l'an dernier. Sur Na06. De manière, j'avais dû passer de Na06 à QYTB2 l'an dernier. Donc, les épisodes sont une partie de sur Na06 et une partie sur ActuYTB2. Voilà. Voilà, puis... Il y en a qui sont abonnés aux deux, mais pas tous. Franchement, loin de tous. C'est une petite partie, voilà, de ceux qui me suivent le plus, voilà. Donc, on va suivre la Omra, voilà, parce que ça peut être intéressant. Il peut y avoir plein de leçons, du guide, tout ça, des explications sur l'histoire, sur là où il a marché le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, tout ça, plein d'histoires, voilà, tout simplement. Et il a offert la Omra à sa famille, à sa mère, force à lui. Voilà, et il va faire pas mal de doigts aussi là-bas, il va en profiter. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06, ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.